j'ai 35 ans. J'ai été arbitre de Pro D2 pendant 7 ans, avant d'arriver au CO cet été. Je suis de Gimont, dans le Gers. Il y a un ancien du CO, Francis Ruy, qui est originaire de Gimont, comme moi. Donc c'est un peu spécial, ouais. Et ben, mon papa joue avec, donc oui, forcément, on en a beaucoup parlé. Donc je suis présent ici tous les mardis. Voilà, je serai présent sur quelques matchs, mais ma mission consiste à être présent le mardi pour du conseil auprès des joueurs, des entraîneurs et des ateliers spécifiques, plus l'arbitrage de l'entraînement haute intensité du mardi après-midi. Il faut se préparer. Il faut se préparer voilà, à tout ce qui peut être demandé de façon spécifique. On sait que les liaisons en mêlée sont très importantes cette année, tout ce qui est hors-jeu, attitude sur les soutiens au ruck. Ben on le travaille, on l'a mis en place depuis mon arrivée cet été. Et l'idée, c'est d'être le plus performant et de commettre le moins de fautes possible. J'ai arbitré le CO plusieurs fois, mais uniquement à la touche, jamais au centre. C'est un groupe sain qui vit bien, franchement c'est génial. Et puis ça change du côté seul de l'arbitre. L'arbitre est souvent seul. Et puis il forme une équipe pour un match qui change tous les week-ends. Là, ben, c'est travailler sur la continuité avec les mêmes hommes. Et donc voilà, on peut travailler sur toute une saison et suivre la progression vraiment d'une équipe. C'est intéressant pour moi. Ouais. Pourquoi le CO? Ben, une opportunité qui se présente avec un club dont je partage vraiment les valeurs. Et pour moi, c'était important. Voilà. C'était important de travailler au sein d'une équipe voilà, dont je véhicule aussi les valeurs.